Bonjour tout le monde, ici Mononcle Daniel et bienvenue à Démocratie 3, un jeu de démocratie de quelque sorte que j'ai vu, excusez-moi, que j'ai trouvé sur Internet, qui s'achète sur Steam et puis qui me semble très intéressant parce que, ben, en tout cas, vous allez voir, la mécanique est assez intéressante. Pour cette vidéo-ci, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est que je me donne comme but de transformer les États-Unis. Qui ont une réputation d'être peut-être un petit peu plus du côté droit quand on parle de spectrum politique, en un pays communiste. ça va être mon but. Je sais pas si je vais être capable de m'y rendre ou s'il va y avoir une révolte, mais on va essayer. Donc, alors, on va se retrouver dans des situations où il va y avoir quand même des vues politiques dans ce jeu. Et je crois important de dire, premièrement, que rien que je veux dire aujourd'hui, c'est des choses que je crois. Mes vues politiques sont les miennes, vos vues politiques sont les vôtres. Et puis le but, c'est vraiment pas de partir un débat politique, mais vraiment juste de voir comment qu'on peut s'amuser avec un jeu comme ça pour essayer de transformer un pays, ben, comme les États, en pays communiste. Donc on va faire New Game. Ici, comme vous pouvez voir, on a plusieurs différents choix. On a l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États, le Canada et l'Australie. Nous, on veut être les Américains. Les Américains, donc, une république fédérale de 50 États. Le troisième plus gros pays au monde, en population et en masse. Blablabla, la plus grosse économie mondiale avec 19% du GDP. Blablabla. OK. 40% dépenses militaires. On va peut-être pouvoir utiliser ça à notre avantage. Essayons. OK. Play. Donc ici, je suis le parti. En ce moment, aux États, c'est les démocrates qui sont au pouvoir, right? Les démocrates. Puis dans l'opposition, ce sont les républicains. On dirait chaque 4 ans, il y a une élection. Puis comme aux États, je peux seulement être président pour 2 ans. La difficulté est à 100%. Innate socialism, j'ai aucune idée. Political apathy, 58. Donc seulement 58% du monde vont voter. Il peut y avoir des ouragans et des tremblements de terre. On n'oblige pas le vote. Aux États, le vote n'est pas obligé. Et il n'y a pas de monarchie. Non, c'est une république. OK. Play! Let's go! Donc, vous allez voir, c'est un jeu assez intéressant parce que c'est vraiment. Tout ce que c'est comme un gros dashboard. Donc, félicitations. On a été élus. On est président. 300 millions de personnes. La santé, ça va pas bien. Il y a beaucoup de crimes. La pauvreté, ça va pas bien. L'éducation. Ah, ouais. Ok, ça me surprend un petit peu. Commençons. Et voilà, on est dans le jeu. Donc, il n'y a pas énormément de gros graphiques ou quoi que ce soit. Vraiment, le jeu, c'est juste un gros dashboard où on peut voir tout ce qui se passe. Donc, ici, on a quoi? Ça, c'est le transport. Ça, c'est la loi. Ça, ici, c'est les services publics, les taxes, l'économie, la santé, je crois, welfare. Je sais, les services sociaux, disons. La politique extérieure, puis on retourne au transport. Puis chacune de ces affaires-là ici, c'est quelque chose qui va peut-être bien ou mal. Donc ici, ça ici, c'est la population dans le milieu ici. Donc les socialistes, les capitalistes, les gens qui prennent l'auto. Puis comme on peut voir, quand je me mets par-dessus, je peux voir qu'est-ce qui rend les gens plus contents. Comme ici, on peut voir donner de l'argent au train. Ça rend les gens plus contents, mais quand il y a de la congestion dans les rues, ça rend les gens, les commuteurs, les gens qui conduisent les autos, moins contents. On peut voir les socialistes, il y a une couple de choses. Puis ça peut devenir les parents sont vraiment fâchés parce qu'il y a de la drogue, puis il y a un problème d'asthme. Puis comme vous pouvez voir, ouais, c'est pas seulement les gens ici qui sont affectés, mais même les choses entre eux-mêmes. Donc si je me mets par-dessus l'asthme, je peux voir l'asthme causé par l'environnement. Aide pas les parents, la productivité descend, puis l'utilisation d'auto augmente l'épidémie d'asthme. Et en plus, je peux rentrer dedans, puis là, je peux voir de l'information comme, ok, ben c'était ridicule, là, ici, c'est par-dessus, c'est quand même assez haut. Si je suis capable de faire descendre en dessous du point vert, l'épidémie s'en va. Puis c'est comment qu'on ferait ça? Si on vient ici dans l'environnement, là, il y a. Si, disons, on voudrait avoir plus de chars hybrides. Ben là, ça ici, c'est genre, on donne de l'argent, je pense. Donc, on pourrait venir ici, monter ça. Là, il y aurait moins de demande d'huile. Les environnementalistes seraient super contents. Sur le phénomène. Mais, comme vous pouvez voir, il nous faut du capital. C'est quoi ça? Du political capital. Ça vient avec mon monde ici. Ok, ouais, je veux pas rien faire de même.
J'ai du monde ici qui sont dans mon cabinet, puis ils me donnent tout un petit peu de capital. Puis ce capital-là, je peux le dépenser, si on veut, pour prendre des décisions politiques. Donc c'est pas mal ça. À chaque tour, c'est 3 mois. Puis on est là pour 4 ans, donc on a quoi? On a 12, 16 tours, 4, 3, je sais pas. 4 fois 4, 16. 16 tours avant la prochaine élection. Puis si on vient ici, on peut voir ben, c'est qui voterait pour moi. En tout cas, il y a plein de pitons, comme vous pouvez voir. Si vous voulez l'essayer, je vous invite d'aller télécharger ça. Là, ici, on peut voir la dette, elle monte. Mais on fait quand même beaucoup d'argent. Ok. Ça, ici, c'est des choses que je peux faire. Ok. Mon but, c'est quoi? Mon but, c'est de transformer le pays en pays communiste. Comment qu'on fait ça? Je ne sais pas. Ben, ok. Whatever qui fâche les conservateurs. Donc, Vigilante Mobs? Qu'est-ce que c'est ça? Have lost faith in the ability of police to be crime. They have started to take matters into. Oh, ouais. Donc, le monde a commencé à s'occuper du crime. Donc, on veut plus de crime? Non, on veut plus de police. Oui, ok, plus de police. Là, en passant, je dois dire que on va utiliser quand on parle de communisme, on va utiliser la définition de communisme de disons Staline, URSS, donc disons plus comme dictateur, vraiment pas bon. Donc, ok, on va faire que tiens, on va devenir un état de police. Le crime va descendre, puis tout. Les conservateurs vont être contents, ce qui est étrange. State Employees Income. Ils vont faire moins d'argent, ils vont faire plus d'argent. Pourquoi? Ok, ils vont faire plus d'argent. Vous pouvez voir, comme je joue avec, ça change. Donc, si j'ai pas de police du tout, ben là, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont contents, puis ça va pas très bien, mais. Tiens, si on fait ça. Antisocial Behavior va monter super beaucoup. Vigilante Mobs va. Ah non, on va descendre super beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Va descendre. L'alcool va arrêter. Les drogues vont arrêter. Vraiment, ça me semble juste comme une bonne chose. Donc, on va juste mettre tout l'argent. Ben là, on était à 30 milliards. Ça monte à 50 milliards. On avait 20 milliards de plus. On a combien d'espace? Nous, on a. On perd de l'argent déjà. Ben, whatever. C'est une raison. Ok. Toi, police au max, apply, oui. Disons, c'est assez pour notre première décision. Next. Donc, 3 mois plus tard, le crime est encore un problème. Il y a une loi. Good news, le GDP monte. Les gens m'aiment pas. Seulement 31% du monde voterait pour moi dans une élection. C'est un peu une police, une présence policière forte. Armed police. Arming police officers can be effective strategy. Vraiment, ça va pas donner un pays communiste. Ça va donner un pays genre fasciste ou je sais pas quoi. Ok. Parce que, on peut-tu voir le résultat sur le crime? You, le crime. Toi, t'es-tu du crime, toi? Non. Ouh, mais ça, c'est les services d'intelligence. Déjà, ils espionnent sur tout le monde. On va en ajouter un petit peu, pourquoi pas? Enfin, on va. Comme ça. Donc, Internet crime va descendre de super beaucoup. Les libéraux sont pas contents, mais le crime descend. Do it. Oui. Ok. Mais là, je veux voir le. Comme ça a-tu un impact, qu'est-ce que j'ai fait? You, le crime. Ça, c'est-tu du crime? C'est quoi ça? Antisocial behavior. Ok. Oh, wow. Vandalism. Ah, donc ça va descendre. Parfait. Donc déjà, on peut voir, parce que j'ai dépensé de l'argent dans la police. Boum! Ça fait un méchant gros coup, là. Puis ça va peut-être partir. Les rouges ici, je devine, c'est des choses qui sont pas bonnes. C'est quoi ça? Skills shortage. J'ai pas assez de monde. Ok. Mais là, c'est parce que j'ai besoin d'argent, là. Je suis en train de perdre de l'argent. J'ai-tu besoin d'argent tout de suite, ou je vais en prendre tantôt? Je sais pas. Attends, tu peux. Hop, 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 hop. Disons ça ici. Créer versus évolution. Un pays communiste, mais il n'est pas supposé d'avoir de religion, right? Ça serait comme ça. Voilà. Disons, ok, ça va être. On va enlever toute la religion. C'est ça qu'il avait fait. Je me rappelle quand j'étais en Russie, au printemps, on avait eu la chance de justement aller visiter. Un genre de. C'était une ancienne église qui avait été détruite, mais pas détruite, transformée par les gens communistes pendant dans l'Union soviétique en piscine.
C'est intéressant parce que on pouvait voir vraiment l'idée, c'était que le gouvernement avait passé alentour, puis chaque église, il avait comme enlevé l'église ou il l'avait transformé en autre chose. Donc c'était vraiment, ok, private schools, c'était vraiment intéressant. Il y a pas l'avortion. On va pas toucher à ça n'a pas rapport à rien. Non, on veut plus de bébés. Ah non, je veux pas. Ah, je veux pas commencer une chicane. Ah, parce que si. Un pays communiste veut avoir beaucoup de bébés, right? Donc, on va dire pas d'avortion. Pas avortement, excusez, qu'est-ce que je dis là, avortion? Pas d'avortement, comme ça on peut avoir le plus de bébés possible. Ah, mais là, c'est difficile parce que j'y crois pas vraiment. Ok, on va juste pas toucher à ça. Anyway, j'ai pas assez de capital pour ça. On va juste faire play puis on va aller. Non. Oui, non, non, oui. C'est dur d'être en charge d'un pays. Mon Dieu. Ok. 3 mois plus tard. Comment ça va? Le crime descend, c'est bien. Oh, il y a plus de monde. Our last poll put us à 39%, donc ça c'est bien, ça monte. Unemployment pas mal pareil, GDP pas mal pareil. Children's Security, ici c'est quoi là? Donc ça ici c'est des mouvements. Human Rights Society, ils sont en train d'amasser plein de monde pour venir me battre. Ils n'aiment pas le fait que j'ai mis beaucoup d'argent dans la police. Mais ils sont pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est en bas ici, genre des groupes terroristes si on veut. Ok. Les écoles privées, on n'en veut pas. Right? On n'en veut pas. C'est méchant, les écoles privées, parce que tout vient du système. Donc, comment qu'on fait pour. C'est quoi school voucher? C'est quoi ça? Encourage the growth of private schooling. Non! Cancel policy! Ça nous coûte 25 milliards. Tiens! 25 milliards de plus qui nous rentrent. Puis là, tout à coup, on fait un surplus. Yay! Puis là, ça veut dire que si on trouve les écoles. Non, est-ce que ce sont les écoles de l'État, là? Je dis pas d'école d'État, c'est une école d'État, ça? Non. Toi? Private schools? Non, je veux pas de private schools. ok, du monde en avant d'un livre. Comme ça, oui, ok. State schools, au max. Ça détruit les écoles privées, c'est ça qu'on veut. Ok! Next! 3 mois plus tard, Superhero! Credit rating downgraded parce qu'on dépense 100 quelques mille. Ben oui, faut qu'on aille. La santé monte, le crime descend. Ça reste pas mal pareil. C'est quoi ça? News stations are buzzing with reports that a caped man has been seen fighting crime. Bon, c'est Rabbit Man. C'est bien, c'est bien. L'économie va bien. 47% du monde vont voter pour nous. Ben c'est super. Mon Dieu, le monde, c'est super gentil, c'est fun. Mais ça, c'est pas bon. Ouais, ok. Ça veut juste dire que notre dette va commencer à nous coûter plus cher. Si je viens ici, qu'est-ce qui se passe? Les unionistes sont pas contents, les parents, les libéraux, bla 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 bla. Les travailleurs de l'État sont super contents, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais de l'argent. Comme ça. Donc, en noir, c'est le taux d'intérêt. Taux d'intérêt vient de monter. J'ai besoin d'argent. Ça, c'est quoi? Inheritance. Capital gains. Property, Hybrid Cars Initiative, ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte un milliard. Ça va pas rien me donner, j'ai besoin de quelque chose qui va faire un gros changement vite. Taxe sur le tabac. Boom. Ok, un petit peu. 17 milliards, 105 milliards. Do it. Parfait. Ok, donc ça me monte un petit peu. Puis là, j'ai plus rien, donc on continue. 3 mois plus tard. Hey! Antisocial behavior, ça c'est fini. Vigilante, c'est fini. Le crime décent, c'est super. Child labor law. Trop de jeunes quittent l'école pour aller travailler. Criminalize child labor, ça c'est certain. 53% du monde voterait pour moi, malgré le fait que je suis en train de. Ok. Ça c'est intéressant. Donc, oh là, je fais de l'argent comme un fou. Excellent. Si on vient ici. C'est qui là? Les conservateurs m'adorent. Vraiment? J'ai annulé vos écoles privées. Intelligence Services, ok, il est au max. Toi, t'es quoi? Armed Police, au max. Ça va descendre le crime pis tout. Les libéraux vont peut-être être contents, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Do it. Ok. Puis le militaire, je dépense déjà beaucoup dans le militaire, right? C'est toi, ce militaire? Military Spending, ouais, ok. Je dépense le maximum, ben voyons. Les idées, voyons ici. Import tariffs. Cheap imports can be damaging to the economy. National service. Ouh! Compulsory military. Oui!
Ça, on va le prendre. Ça va nous coûter 50. Ok, donc faut attendre un petit peu. Parce que là, on est à 14. Ok. On va juste avancer. 3 mois plus tard. Yay! Credit rating upgraded. Notre GDP, il monte. L'éducation monte. Le crime monte. Tout va bien. 53% du monde veulent voter pour moi. Ok, cool. 36, ça notre... Toi ici, c'est quoi encore? C'est encore 50. Ok, on va aller au prochain. 3 mois plus tard. Terrorist captured! Yay! On a tué Osama Bin Laden. l'éducation descend. Oh, ça, c'est pas intéressant. 63% du monde voterait pour moi maintenant. Waouh! On a commencé là. On est rendu ici. Je pense que c'est. Oh, 42. Ok. Donc là, il faut juste que je monte. Est-ce que je peux monter à 50? On va voir. Next. 3 mois plus tard. Public smoking ban. Ouais, on veut la santé soit bonne. 64% du monde vont voter pour moi. Tout ici semble bien aller. Continue. Car on est prêt à 40. Pourquoi on est prêt à 40? Maximum 40. Comment je fais pour monter? Donc je pourrais jamais. Je pourrais jamais entrer National Service aux États. Ok. Voyons quoi. Rate control pour faire que le loyer coûte moins cher. Welfare fraud debt. State housing. Il y en a beaucoup là-dedans. Économie. Plein de cochonneries. Taxes. Beaucoup de taxes. Flat income tax. 100% tout le monde. Public services. Law and order. Transport. Ok. Juste welfare. On va dire qu'il y a des rent control. On va dire qu'il y a du state housing. On va genre. Welfare fraud. Government gives so much money out. Welfare payments. It's essential. Non, non. Ok. On met des contrôles sur le loyer. Au maximum. Les capitalistes vont être fâchés. Le monde va avoir moins de maisons. La pauvreté va descendre. Les socialistes vont être contents. Puis ça, je sais pas c'est quoi, poor earnings. En tout cas. Go! Ok. Quelle autre idée est-ce qu'on a ici dans Welfare? State housing. Donc, un petit peu de maison offerte par l'État. 200 milliards. Wow. Quoi? Ça coûte un petit peu plus cher que ce que je pensais. Private housing va descendre. La pauvreté va descendre. Le capitalisme va pas être content. L'égalité va monter. Les socialistes vont monter. Homelessness va descendre. Ok. Si je le monte à 200 milliards, il va falloir que je trouve 200 milliards. Disons ça. Ok. Ok, on a-tu d'autres idées folles qu'on veut faire? Child benefit. A fixed program. Donner de l'argent pour chaque. Tout le monde qui a un enfant. Welfare fraud debt. Winter. Pour quelque chose pour les. Non. Impôts. Laisser le monde fumer du pot puis les charger. Non. Married tax allowance, non. Luxury goods, oui, si tu fais trop d'argent, tu me donnes plus d'argent. 100% ou 90%. Apply. Ok, je pense que c'est assez pour cette fois-ci. Je veux pas fâcher tout le monde tout en même temps. Next. 3 mois plus tard. Le ministre de la Santé. Non, c'est-tu ministre. Non, son nom c'est Heather. Je pense que c'est Health pour quelque raison. Je pense qu'elle est pas contente avec moi. Elle est pas contente. Allons voir si on peut la remplacer. Donc, ici, toi. Toi, tu es plus loyal. Puis toi non plus, t'es plus loyal. Pourquoi les deux, vous êtes pas loyal? Ok. Voyons, c'est qui que je pourrais embaucher. Attends un petit peu. Elle, c'est les services publics. Qui c'est qui veut faire des services publics? Non. Public services. Public, t'es où? Ah. Public services, t'as pas beaucoup d'expérience. Tu sympathises avec les socialistes puis les conservateurs. Ça, c'est intéressant un petit peu. Y a-tu quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus. C'est teint, toi. Tu vas me donner 4,7. Walter Long. Parfait. Donc, madame, merci beaucoup. Au revoir. Puis toi ici, arrêtez de chuchoter. Tout le monde chuchote. Arrêtez, on dirait qu'il y a des voix.
Ok, toi tu fais quoi? Law and Order? Y a-t-il quelqu'un qui veut être Law and Order? Law and Order, toi ici. Ok, cool. Donc toi aussi. Fire! Oh, tout le monde d'autre descend quand je fais ça, hein? Intéressant. Ok. Non, mais je veux. Ok, Law and Order, hire madame. Et puis, Public Services, hire. C'était qui? C'était un monsieur en bas ici, ça, non? Il est rendu ici maintenant. Et voilà. Puis tout le monde d'autre semble être un petit peu déçu du fait que j'ai mis tout le monde à la porte. Je m'excuse. N'ayez pas peur, ça va bien aller. 3 mois plus tard, qu'est-ce que c'est? Ah, encore? Stress épidémique? Ah non. Ok. That's it. J'adore ça. Our businesses are working people too hard, which is leading to dangerously high levels of stress. There are calls to limit the hours. Oui. Il n'y a pas une affaire que je peux faire. On est rendu à 23 millions. 51% du monde vont voter pour moi. Ok. C'est juste ça qu'on a besoin. Oui, ça va pas bien. L'éducation descend. Ça, c'est pas bon. Ok. Continue. On fait toujours pas assez d'argent. Je suis seulement à 20. Est-ce que tout le monde ici est encore fâché contre moi? Toi, t'es pas vraiment content. Eux, ils sont contents. J'aurais dû juste tout écrire ça à la porte puis m'embaucher une gang de nouveau. Ok, Côté éducation. Non, ça c'est l'environnement, c'est pas l'éducation. Côté éducation, on veut que tout le monde soit éducationné. Ça c'est encore en train de monter, mais l'éducation comme telle descend. Pourquoi est-ce que l'éducation descend? Technology colleges, private schools. Parce que private schools a plongé jusqu'en bas. Mais ça c'est quoi? C'était. Ouh! Les services de santé, ben. Rah! Excellent health provisions. Ça va de 95 à 300 milliards. Ben. J'ai des pétans. Brain drain! Wow! Ok, tout le monde qui sont super riches s'en vont parce qu'ils sont fâchés. Ben, mangez de la chenoute. DNA database. Oui, parce qu'on veut suivre tout le monde, puis on veut être capable de les suivre de près à la 1984. 55% du monde vont quand même voter pour moi, ce qui est bien correct. Ok, j'ai besoin des idées pour l'impôt. J'ai besoin de ça. Ok, une taxe sur le pot. Ça pourrait me rapporter absolument rien. Ça pourrait me coûter. Ça pourrait me coûter. Ça pourrait me coûter. Il n'y a pas des taxes qui vont comme me rapporter de l'argent. Ça peut me rapporter jusqu'à 2 milliards. Ça peut me rapporter jusqu'à 1 milliard. Ça me rapporte rien. Ok, ben disons. Ça coûte. Ok. Implémenter au maximum. Income 2 milliards. Apply. Y a-t-il d'autres impôts que je peux. Ça. Ça là, j'ai pas de méchant, mais faut que ça me. Quoi, y a pas personne qui fume du pot ici? Ben, s'il commence à fumer du pot, tiens. Y a-t-il une loi contre ou quelque chose? C'est quoi ça? Legal drug consumption. Y a pas. Je pensais qu'il y avait du monde qui fumait. Voyons, c'est les États. Y a pas personne qui écoute Breaking Bad. C'est certain qu'ils font de la drogue aux États, là. Capitalist plot. Ok, là, y a des capitalistes qui veulent. Debt crisis. Quoi, on fait plus d'argent? Là, tu peux, je porte pas attention, là. Ça met 34% du monde. Non! Ah! Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh! Ça, c'est quoi? Le taux d'intérêt a explosé. Ça, c'est relative GDP. Oh. On fait plus rien. Le pays. Le fait. Ok, les impôts. 17, hein? Income tax. Mais j'en ai pas assez, il me faut 30. Ok. Ouais, cancel. Oh non! Oups! J'ai complètement annulé les impôts! Non! C'est pas ça que je voulais faire! Oh non! Oh non, 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 non! Je peux-tu les rapporter? Je peux-tu les rapporter? Ils sont où? Ils sont où? Income tax, c'est ici. Ça va me coûter 43 pour rapporter les impôts. Ben là, je suis fucké tête. Y'a rien que je peux faire. Oh my god, y'a plus d'impôts. Le monde serait mieux de voter pour moi s'il y a plus d'impôts. Failed assassination attempt. Holy shit, on essaie de me tuer. Oh my god, je suis un horrible, horrible, horrible politicien.
Ça c'est quoi? Internet crime, ok. Mais non, qu'est-ce que je veux faire là? Là, je veux arrêter les services. Donc, n'importe quoi qui va. C'est quoi? Je veux. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Genre, je suis en train de perdre 1,2 milliard, 1 trillion aux 3 mois. Je perds. C'est ridicule, là. Ça, c'est quoi? Currency. Le dollar américain est en train de planter. Hein? Qu'est-ce que je vais apporter tout le monde? Hey, j'en reviens pas. Je suis pire que Bush. Ça ici, ça, c'est quoi? Plastic bag tax. Oui, ça, c'est bien. Ok. Toutes les impôts au maximum. Il nous faut de l'argent. Non, je peux pas le monter. J'ai pas assez de points pour ça. Toi. Sales tax. J'ai pas assez de points. Toi. C'est quoi ça? Oh, il est déjà au maximum. Toi. C'est quoi ça? Capital gains tax. Mais oui, qu'est-ce que ça fait là à 17% ça? Boum! Taxe sur le pétrole. Boum! Non, j'ai pas assez. Non, ça, j'ai pas assez. Taxe sur la bouffe. Oui, tout va bien là. Taxe sur. C'est quoi ça? Hybrid card. Ça, je veux m'en débarrasser ou je peux juste le descendre. Ça me coûte quoi là? Ça me coûte 1 milliard. Ah, j'y touche pas. Quand j'aurai 14, je. Ça, c'est quoi? Je m'en occuperai. Corporate tax. Non. Ok, je peux rien faire en ce moment. Il faut que j'attende. Prochain tour, je monte les taxes. Go! Y a-t-il quelqu'un qui va me tirer encore? Media backlash. Faire de la socialisation. Mais encore, 40% du monde voterait pour moi. C'est bien. Ok, ça, c'est quoi? Car tax au maximum. Si tu veux un char, faut que tu me donnes de l'argent. Ok. Ça. Merde. Il me reste plus assez de. Ok, je pense que c'est l'élection. Oh non! You have been the victim of a carefully planned assassination. A highly skilled gunman put a bullet right through your skull using a high-tech sniper rifle when you appeared at an event. All the clues lead to the assassin being hired by a secret group known as the Battenberg Group. C'est l'un des groupes terroristes qu'on parlait de. Though to be controlled by a number, thought to be controlled by a number of hyper-wealthy capitalists. Ah, les capitalistes m'ont assassiné. C'était justement le tour pour moi de. Ah, c'était mon élection. Ah ben. Donc, c'est pas mal ça, comme vous pouvez voir. C'est assez difficile. À 104 ans, on peut pas transformer le pays en pays communiste. Ça étant dit, je pense pas vraiment. Je m'en allais dans cette direction-là. J'étais juste vraiment en train de faire pas mal n'importe quoi. C'est un jeu qui est pas mal le fun, qui est pas mal tough quand on essaie de le prendre au sérieux. Je vous invite de l'essayer. Il coûte, je sais pas trop combien sur Steam, puis je sais pas s'il est disponible sur Post-Steam, probablement. Donc, blablabla, je suis plus capable de parler. Donc, amusez-vous avec ça. Je vous dis merci beaucoup tout le monde, et à la prochaine!